Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto. On se retrouve pour une vidéo où on tombe le world boss. A tout de suite pour la vidéo. On se retrouve tout de suite pour aller faire le world boss à Valhalla qui va popper dans 1 minute 44. Alors, le world boss c'est à 18h et à 20h le 18 mars et le 25 mars. Et ça sera à 6h et à 8h du matin. Le 19 mars et le 26 mars. Et alors où est-ce qu'il se situe le world boss? Il se situe ici, juste en dessous des pics brisés, vous voyez. Voilà, il va popper ici. Tout à l'heure il nous a ridiculisé. Je sais pas ce que ça va donner là. Écoutez, on va bien voir. Je sais pas combien on est. Normalement on peut être 12 maximum. On va essayer de compter les joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai l'impression qu'on est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 14 minutes pour le tuer. Bien popé. On va commencer le travail. Alors il y a une espèce d'énorme sort. Ah, c'est ça. Généralement on reste. Il descend plus vite que tout à l'heure. Vous voyez là, j'ai mis mon bouclier, ça m'a permis d'être invincible par rapport à son coup. Là, je l'esquive tout simplement. Je vais essayer de placer mes dragons qui le grimpent. Voilà. Attention, il va refaire son truc. Voilà, là j'ai esquivé. Non, mais le poison m'a tué parce qu'il jette beaucoup de poison. Je reste au point de sauvegarde. Elle comprend assez cher les tissus. Hein. De poison. Si, okay. Il a essayé de me bloquer un peu personnellement. À le tomber, très franchement, je ne sais pas. En tout cas, tout à l'heure, on n'a pas réussi à 18h. D'ailleurs, à 18h, il était en retard. Il est arrivé avec 20 minutes de retard plus, par rapport à l'horaire annoncé. Alors, voilà, vous vous faites toucher par la vague de froid, les gars. C'est assez violent. Ah, ce qui est bien, c'est que je l'aurais essayé avec chacun de mes guides. Ah,
là vous avez beau claquer toute la potion, vous faites toucher par ce truc, voilà. Ça c'est pareil, c'est le poison, vous voyez je me suis pris la vague. Donc un world boss, difficulté absolue, on va se mentir. Ça, ça rajoute quand même à l'intérêt du jeu d'avoir des world boss difficiles. Quand même pas mal. Un peu. Tout est prévu pour qu'il fasse mal. Poison, glace. Grâce à la fixe que j'ai sur mon armure. Mine de rien, c'est pas trop mal, hein. On lui fait mal, on lui fait plus mal que tout à l'heure en tout cas. Alors de là à dire qu'on va le couper, je ne sais rien, mais. En tout cas, on va tout faire pour les gars. Quelques petits éclairs, quelques petits crépitements, les amis. Les fesses. Quasiment mis mid-life, les gars, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, faut pas faire le con. Oh putain. Merde. Ce qui est très embêtant, c'est qu'il le fait deux fois son truc. Et que bah, on a qu'une seule. Une seule invul avec l'armure. Ça, on va le faire une deuxième fois. Voilà, ok. Il est loin d'être con, hein, ce world boss. Hein. Je me suis pris la vague de poison en pleine gueule. Plutôt pas mal, les gars. 6 minutes 32. Si on fait pas trop les cons, ça devrait le faire. Carrément sauté dessus le gars.
m'a repéré. Allez, va faire. Ah oui. Troisième. Alors ça par contre, ça je m'y attendais pas. Normalement il en fait que deux. Allez. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est en fait pris entre le tank et un parti. C'est assez court quand même pour le tuer. Et la prudence parce que ouais, c'est un jeu bizarre. On va faire. Là, toutes les coups, les gars. Va le faire une troisième fois cette fois, j'ai pas l'impression. Là c'est la vague à la con. Ah putain. Putain de merde. Il y a pas mal de gens qui jouent serpent aussi hein. Pas mal serpent parce que ça fait vraiment le taf à votre place dans les combats. Allez, est-ce qu'on va réussir à tomber le boss? Ça serait cool. J'ai hâte de voir ce qu'il fait. En tout cas, je sais pas pour vous, mais. Il reste 3 minutes, il va falloir tout donner là. Les gars, on y va. Un petit outil. On va mettre le serpent. Où est-ce qu'ils sont tous pourris là? Ah, c'est vraiment un combat épique, les gars. Là, franchement. Ah,
27 secondes les gars, putain il est pas loin. Allez 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 allez. Faut tout donner les gars. Faut tout donner, est-ce qu'on va le trouver? Il est mort 10 fois, c'est pas pour rien. Putain, il est tellement pas loin de tomber les gars. Il est tellement pas loin de tomber ce bâtard. J'ai 0 seconde. Putain, on l'a pas eu les gars. On l'a pas eu. Si on l'a eu. Oh, on l'a eu les gars. Putain, le loot de ouf. What the fuck. Oh, c'est magnifique les gars. Alors là. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable les gars. Incroyable. On l'a eu. Extraordinaire. I'm impressed. Incroyable. Bah, un gros GG. Le boss est vaincu. Well done. Donc j'ai gagné aussi les trésors d'Avasha, une grande cache. Alors qu'est-ce qu'on a looté là-dedans? Waouh! Ah ouais, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'Avasha, en plus, elle donne tout ça. Ok, incroyable. Bon bah les gars, on est refait. Ok, ouais, beaucoup trop balèze. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao.